dit Jésus, nous fait comprendre Jésus. Voilà que je suis baptisé aussi, moi. Le feu nous fait comprendre Jésus, n'est pas encore allumé, et il voudrait que ce feu soit déjà allumé. Autrement dit, ça ne va pas tarder. Et si on cherche dans l'évangile de Saint-Luc où se trouve ce passage que nous lisons aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce passage fait partie de la longue montée vers la dernière foi. Il sait que cette fois, c'est pour de bon, comme disent les enfants. Il sait que à Jérusalem, il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter. Et c'est alors une ère nouvelle qui va commencer. A priori, j'efface les traits du scie. Vous voyez les dents de la scie qui sont. Enfin, maintenant, on file encore dans certaines contrées en Amérique latine, on file encore un petit peu comme ça. Mais ça, c'est très vieux, c'est le principe que l'homme a inventé 6000 ans avant Jésus-Christ, du temps du néolithique. Par contre, là, il y a une espèce de corolle, tu vois, alors il faut faire passer, faire une espèce de danse quand on démarre, et donc il fait tourner le couteau pareil. Seulement, comme la mer, elle est emportée sur le côté. C'est beaucoup plus dur qu'un fuseau, parce qu'il y en a qui ont une frappe, qui arrivent au milieu avec un crochet, ou simplement qui peuvent être frappés. Mais si tu veux, la coupille, là, elle tournait vraiment dans la vie. Voilà, on a aidé. Après, la fille et la médecine, la fille est là. Soyons courageux. Peut-être que la première, ça ne va pas l'attacher non plus, mais il faut arrêter. Si, ça devrait l'attacher, la sucette. Elle est plus au retourneur. Elle est plus au retourneur. Déjà, il faut le mettre en haut. Hein? T'inquiète, le morceau, il faut savoir se dépêcher cet après-midi, ça va bien marcher. Le temps, il n'y a pas moyen de foutre en haut, c'est ça là.
vendez, monsieur ? Travail aussi. Ah, vous ne les vendez pas, d'accord. Sur commande ? J'en ai plus. Oui, vous n'en avez plus. Là-bas, autour de chez moi, par bouche à oreille. Oui, oui, j'imagine. Je m'en fais un comme ça de grandeur, comme ça, comme ça. Et vous êtes où ? Saint-Étienne de Saint-Joire. Saint-Étienne de Saint-Joire. Ah oui, d'accord. Alors, les petits et les grands... Et vous pouvez venir la traire aussi parce qu'elle a besoin d'être traite. Donc s'il y a des jeunes et des moins jeunes voilà, qui veulent venir essayer de traire une vache, eh bien c'est le moment de venir. Elle est à l'ombre. On l'a pas mis au soleil parce qu'elle va avoir chaud quand même aujourd'hui. Alors, représentant des Antonins, des associations aussi, là. Voilà, ben, approchez-vous. Si, si, c'est pour la photo. Allez, on fait une photo de famille. Ça va être bien. Les responsables aussi des associations. Voilà, des associations de Pierre Châtel qui a perdu cette. Et je salue l'arrivée de madame la députée, madame Marie-Noué. Allez, je laisse la parole à monsieur Michel Tenant, le musicien. Et aussi, je suis là. Pour organiser tout ça. Merci à merci beaucoup. Merci à ton équipe de bénévoles. Merci à Jean-Pierre aussi qui se trouve ici. Merci aux associations qui participent depuis tout le temps à cette fête. Une fête magnifique qui nous fait revenir au société du Vichy. Il y a à peu près 5 ans, nous sortons pas. Bonjour à tous. Je vais me répéter un petit peu, je vais vous dire le même propos il y a 2 ans arrière. Bien sûr, il faut qu'on remette un petit peu de travail, mais tout ça, c'est l'ouvrage d'une équipe. Ce sont des gens qui travaillent ensemble, des associations, des chorales, qui sont particulièrement félicités parce qu'avec le rien, avec seulement l'envie, ces gens-là arrivent pour faire. La culotte.